Donc bonjour, on va voir le quatrième TP avec ce qu'on appelle troisième génération, c'est le routeur. Première génération hub, deuxième génération c'est le switch. Et le troisième c'est le routeur. Troisième génération, bien troisième niveau. Donc on choisit le routeur. Le routeur et les PC ou bien PC1, PC2, soit PC3, PC4, c'est la même manière. Donc on va connecter premièrement FAT Ethernet. Comme vous le voyez, il y a une différence entre le switch et le hub. Il y a ce qu'on appelle une interface ou bien ce qu'on appelle port console. On va voir par la suite. Et les interfaces, il y a Fast Ethernet et des interfaces Giga Internet. De la même manière ici, 0, 0, 2 Ethernet. Comme vous le voyez, il y a des points rouges, ça veut dire pas de connexion. Donc on va faire des étiquettes, hein. Par exemple les adresses. Va voir par la suite. Et les ports, on va voir pourquoi. Donc, dans le routeur, chaque port il a une adresse IP. C'est ça la différence entre hub et le switch. Donc 192.168.11, 192.102.1, c'est ce qu'on appelle gateway ou bien le passerelle. On va voir par la suite pourquoi. On va configurer comme d'habitude les adresses IP de PC 1.2, masque par défaut comme tout à l'heure. De la même manière pour le PC numéro 2, l'adresse 2, 2. Pourquoi? C'est bien. On va entrer dans le routeur pour le configurer. Donc, double-clic sur le routeur. Normalement, il y a deux méthodes pour configurer le routeur. Soit manuellement, mais je préfère par la programmation. Pourquoi? On va voir par la suite, hein. Pourquoi? Donc, would you like to enter initial configuration dialog? Yes, no. Vous voulez vraiment initialiser la configuration par défaut? On dit oui ou non, on dit non. Entrée. On va voir le routeur. Ça, le routeur. Nommé routeur. Donc pour le routeur, vous êtes maintenant vous êtes normalement dans le cadre utilisateur. Hein. Donc pour entrer en mode privilégié, on va vers la commande enable. Enable, entrée. Donc routeur étoile, ça veut dire dans le mode privilégié. Vous pouvez configurer le routeur. Donc la première chose, on va voir, c'est là.
ce qu'on appelle, on va configurer les interfaces. Donc, on va configurer le routeur. Donc, pour configurer le routeur, on va entrer la commande configuration terminal comme tabulation pour continuer, pour donner le mot, config terminal, TR, tabulation, entrée. Dans la configuration terminal, vous pouvez accéder à des interfaces. Pour accéder à l'interface, inter tabulation, interface, giga, j tabulation, 0 sur 0. Donc, vous êtes maintenant sur l'interface 00. Donc, on va affecter à des adresses IP. Donc, IP add tabulation, on va affecter à ce port une adresse, ce qu'on appelle, donc 172.192, espace avec le masque. Le masque c'est 256.256.256.0. Entrée. On va allumer non shutdown. Shutdown ça veut dire arrêter. Non shutdown, allumer. Comme vous le voyez, le point vert. De la même manière, pour configurer le port numéro 2, giga 0. Donc on va exit pour entrer dans la configuration terminal. Interface, interface giga, donc 0 sur 1. Comme vous le voyez, 0, 0 sur 1. Entrée. Donc, IP add tabulation 192.168.1.1 espace 256.256.256.0. On va allumer non shutdown tabulation entrée. Comme vous voyez, il est allumé. C'est bien. C'est quoi encore? On va terminer la configuration de routeur. On va tester le pin. On va voir. C'est pas marché. Hein? On va voir par la suite. Donc, on va faire ping. Ping. On va pinguer sur le poste 2. Ping 2.2. C'est pas marché. Pourquoi? On va voir. Parce que le gateway de, ou bien le passerelle de ce port, il faut entrer le passerelle dans le PC numéro 1. De la même manière, il faut entrer le passerelle dans le PC numéro 2. Donc, entrer dans PC numéro 2, IP configuration, mais gateway, ce qu'on appelle gateway ou bien passerelle, pour accéder au port. Pour accéder au port, on a besoin de taper l'adresse de port de routeur. De la même manière, bitway, rentrer le bitway, c'est ça le bitway, c'est l'adresse de port, tout simplement. Mais l'interface, c'est l'adresse IP. Donc, desktop, sur le gateway. Gateway, c'est ça. Fermé. Donc, on va tester maintenant. Ça va marcher ou pas. Ping. Normalement, ping.
espace. Donc c'est bien. C'est bien. Donc paquet send bar, receveur 0, last 4, etc. Donc je peux pinguer de poste 2 à poste 1 de la même manière. Donc ping espace 192.168.1.2 entrée. 1, 2, je ne sais pas pourquoi. Je répète configuration routeur. Internet. C'est ça le problème. Le problème, c'est c'est ça. Quand j'affecte les adresses au port, c'est ça le problème. Au lieu de faire 8, au lieu de faire 9, j'ai fait 8. C'est ça. C'est ça le problème. On teste. On teste maintenant. Ping. Deux. Je play. C'est bon. C'est ça. Quand je fais le ping de poste 2, ping de poste 2, normalement il y a un message, hein? Ping, l'espace, .1, je play, c'est bon, et merci.